Très bien, donc nous allons commencer. Juste, il faut couper juste les micros. Donc, je vais couper, ok. Donc, si quelqu'un veut intervenir ou poser des questions. Il suffit d'activer le micro. Est-ce que ce que vous voyez la présentation? Vais essayer un truc. Le suivi et contrôle des travaux. Donc, je suis Kherfi Nafa. Je suis ingénieur en génie civil et détenteur d'un CAP, donc une CA en management de projet. J'ai bientôt 10 ans, des années d'expérience. J'ai travaillé dans des entreprises, aussi en tant que maître d'ouvrage. Maintenant, je suis en maître d'ouvrage et aussi je travaille un peu dans la maîtrise d'œuvre. Très bien. Donc, j'aimerais vous poser quelques. On va commencer par les présents. Votre profil, c'est Monsieur Merzouk, peut-être. Monsieur. Oui. Et d'être bon, si vous pouvez vous présenter votre cursus pour savoir exactement en 2 minutes, en 1 minute, en quelques mots. Je viens d'avoir mon master en architecture. Très bien, très bien. Donc un master 2 en structure. Très bien. Nawal, Nani, si vous pouvez. Bon, The King Pro. Si vous pouvez activer votre micro rapidement. Très Salam bien, comme ça, là, mais ça. Hein? Donc, une petite présentation. alaykoum. Master 2 génie civil, Kefa, étudiant en structure. j'ai pas entendu. Actuellement. Hein? Si vous pouvez. The King, mais on n'a pas entendu. Si vous pouvez refaire. Malish. On va. Donc, on a vos profils à peu près. L'origine et les objectifs de la formation. Donc, pourquoi cette formation? On a remarqué souvent, après un cursus de 4 ans, 3 ans, 5 ans, et on a acquis quand même une certaine compétence, des connaissances techniques. Normalement, chacun a acquis cela. Mais moi, personnellement, mon premier entretien, on m'a posé des questions à laquelle j'ai pas su répondre, sincèrement. Pourtant, c'est des trucs simples, mais je suis resté bouche bée. Donc, le but, c'est quand même. On va essayer d'avoir quelques notions complémentaires aux techniques acquises. Donc, on va pas toucher les techniques. Les techniques, vous avez votre diplôme, etc. On va voir un petit peu les objectifs. Comme on a dit, c'est acquérir les compétences complémentaires, avoir les outils nécessaires pour être efficace, augmenter votre employabilité, soit pour être dans un bureau d'études, soit dans des établissements publics ou comme, bon,
comme maître d'ouvrage, et aussi dans des entreprises, soit comme employé ou gérant. Gérant aussi, c'est la même pour être bureau d'études. Donc, le déroulement de la formation. Là, je vais avoir aussi votre avis. Donc, la durée de la séance sera entre 1 h et 1 h 30. Bon, j'ai choisi Meet parce que Meet ne permet pas Zoom en un maximum de 40 minutes. Si vous pouvez activer votre micro, là, j'ai besoin de vos avis. Si vous êtes disponible, apte, si vous êtes suffisamment engagé. Hein, très bien. Donc, 2 fois par semaine. Hein, est-ce que ce sera suffisant ou pas? Suffisant. Normalement, hein. Donc, vous Normalement. êtes, vous serez inchallah disponible. Parce que Inch'Allah. j'ai normalement, il y a eu 8 inscrits en réalité, mais bon, vous êtes maintenant 3. Maanish, s'il y a une personne motivée à 100%, il n'y a pas de problème. Donc, Exactement. Inch'Allah. Donc, on sera 2 séances par semaine. On va choisir, si vous voulez, maintenant les 2 séances. Madame, bon, de préférence la semaine, parce que le week-end, chacun possible va profiter un petit peu du week-end. Moi, je propose lundi et mercredi. Non, c'est Comme ça, lundi. l'apéro. Hein? Lundi et mercredi, ou là, ben, on verra après, ou là. Et pour les horaires de déco, Bon, c'est à quelle heure? 19 h, exact. Hein? 19 h. C'est à discuter, de toute façon. Hein? C'est le point essentiel. Oui, bien sûr. Par rapport à la disponibilité des autres. Donc, 19 h, ou la 21 h. Je pense que 21 h, c'est mieux. C'est mieux. On verra. On verra. On va dire, ben, pour le moment. On va voir avec les autres d'abord, après on va décider. Tu vas décider. Oui. Des 20, 19 h, 20 h, 21 h. Donc, sinon, je vais faire un petit Oui, formulaire. c'est très bien. Hein? Sinon, un petit formulaire. Donc, chacun va proposer. Hein? Moi, ça m'arrange 19 h. 21 h, non. 19 h, c'est normal. Ouais, on va s'entendre à peu près pour 19 h. arranger machi tout le monde, mais quand même essayer de. Monsieur Merzor, pourquoi pas 19 h? Bon, pour aller juste. Je serai pas disponible Ah ouais. par rapport à cette heure. 20 h. 20 h, bon, 20 h. 20, on va essayer 20 h 30. 19 h, 20 h 30, on verra. De toute façon, je vais passer vous envoyer des. Donc, un formulaire, un petit formulaire à remplir. Et on s'entendra rapidement sur. Donc, 2 séances par semaine. Normalement, le nombre total de séances, ce sera 6 à 8. Tout dépend de Agda. Normalement, dans un mois, avant Ramadan, Nkemlo. Donc, les cours, comment vont se passer? Ce sera en collectif. Ils seront en ligne, sur Google Meet, de préférence. On peut le faire sur Messenger Room. Mais bon, sur Google Meet, c'est comme ça, c'est mieux. On va se déconnecter un petit peu de Messenger. Pour l'explication sera comme donc sur slide. Normalement, il est clair. Parce que si vous avez des smartphones, est-ce que vous avez des problèmes de difficultés à lire? Non, pour le Non, moment, non. normal. Très bien. C'est C'est lisible. bon qu'on est Hein? lisible. Très bien, très bien. Donc, on aura aussi une interactivité. Hein? Donc, vous allez. Je suis pas un prof. Bon, je suis pas prof. Donc, je suis pas. Ce sera pas un cours magistral, comme on dit. Donc, on va discuter. Donc, des questions-réponses possibles. Des fois, je vais préparer des quiz à vous envoyer au même moment. Donc, je vais donner 1 minute pour répondre rapidement au quiz. Aussi,
Ça, c'est pour vous impliquer un petit peu. Donc là, par exemple, aujourd'hui, on va parler sur un sujet. Je vais vous demander de le faire. Donc, vous allez l'envoyer. Avant, là, c'est lundi, donc vous aurez mardi, mercredi pour l'envoyer. Et on va le discuter. Bon, ce n'est pas pour le corriger, ce n'est pas pour donner des notes, mais pour vous impliquer, pour réaliser. Parce que comprendre quelque chose et l'affaire, c'est vraiment. C'est ça, l'affaire, c'est le but. Si vous voulez, si on va créer un groupe Facebook ou sur Google Classroom pour le partage de la documentation et des travaux individuels, si vous voulez. Oui, pourquoi pas. Ouais, donc, je vais essayer de faire. Google, bon, c'est la même chose. De toute façon, je vais faire des trucs sur Google et les envoyer sur le groupe Facebook. Selon votre. Mais bon, je préfère Google, groupe Facebook parce que on est tous là-bas. Donc, très bien. Donc, le plan de la formation. La première séance, on va parler du vocabulaire. Personnellement, moi je connais pas qu'est-ce qu'un maître d'ouvrage, qu'est-ce qu'un maître d'ouvrage délégué, qu'est-ce qu'un maître d'œuvre, qu'est-ce qu'un maître d'œuvre délégué. Donc tout ça, le contrat, un cahier des charges. Donc est-ce que, par exemple, je vais prendre Simrzok, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'un DGD, un BPU? Hein? Non, je sais pas. Non, très bien. Non, j'ai pas de licence. Hein? Eh, donc Non, j'ai pas on d'idée. va voir la signification. Donc ça, DGD, parce que dans le monde de l'entreprise, on va entendre ces mots. Bon, peut-être il y a des on n'a pas forcément des réponses. Quelqu'un qui va nous expliquer spontanément le mot. Donc on va voir un petit peu tout ça. Nani, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'une minute? Non. Non, une minute c'est pas une unité de temps. Oui, Le je vois ça. chantier c'est pas une minute. Donc tout ça on va essayer de les expliquer, pas profondément. On va voir. Ça c'est juste explication. Hein. Quand on parle vocabulaire. Aussi, j'attends aussi de vous quelques propositions à chaque fois. Il faut si vous êtes en contact ou vous avez entendu des trucs, soit le faire partager ou le poser des questions. Donc, comment c'est le processus, comment j'ai imaginé aussi le déroulement le plan de la formation, c'est tout au long du processus d'un projet ou du travaux. Donc, ça sera démarrage. Donc on va voir tout ce qu'il y a pour le démarrage d'un projet. On va voir le processus, la documentation, tout ce qu'il y a donc pour la partie suivie et la partie maîtrise et enfin la clôture d'un projet. D'accord. Donc c'est ça. Bon, donc pour la partie démarrage, on va voir un petit peu les contrats. Qu'est-ce qu'on doit trouver dans un contrat, la nécessité ou le tout qu'est-ce qu'on va exploiter dans un contrat, les différents ODS. Vous allez peut-être faire des ODS, on va faire du PV, on va comprendre les différences qu'on va bon qu'est-ce qui toutes les démarches nécessaires à peu près pour le démarrage d'un projet. Le suivi, kiff, la méthodologie, on va essayer de lire. Major, si vous pouvez, le micro, s'il vous plaît. Allez. Donc, on va essayer de lire un planning. On va voir. Comment le lire, la nécessité de faire bon, les choix des matériaux, qu'est-ce qu'on faut faire. Donc
Un PV de chantier, les rapports d'avancement, les PV de réception, les pré-réceptions. On va faire des attachements, des décomptes généraux, des situations de travaux. On va la lire, on va voir qu'est-ce qu'il faut mettre dans une situation de travaux. Durant la maîtrise, donc il y a un suivi à la maîtrise. La maîtrise, c'est apporter des modifications. Donc le suivi, c'est suivre. Sa maîtrise, c'est quand il faut modifier quelque chose. Donc c'est ça la différence entre suivi et maîtrise. Donc l'avenant, qu'est-ce qu'un avenant? Comment faire à peu près un avenant? On va voir des exemples, etc. La révision des prix à peu près. Les ODS, etc. Proposition des prix durant la maîtrise. Clôturer le projet, la réception provisoire, le décompte général définitif, la réception définitive, la résiliation. Donc à peu près c'est tout ce que nous allons voir. Donc je compte sur votre implication. Si vous pouvez donc activer vos micros à peu près rapidement pour 1 minute pour voir vos impressions. Avoir vos impressions. Alors, si vous, qu'est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire d'ajouter ou d'inclure? Déjà, merci de partager votre connaissance avec nous. Y a pas de souci. C'est votre implication qui est le prix de la formation et votre implication. Donc, c'est pour le contenu, pour le contenu et le déroulement, etc. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous avez des propositions? Le king, the king. Oui. Est-ce que vous avez des propositions? Allez, Est-ce c'est que qu'est-ce africain. qu'est-ce que vous Non, voulez c'est. ajouter? Non, c'est rien. Hein? Pour le moment, c'est Est-ce que rien à ajouter. très bien. Donc est-ce que ça répond à peu près à vos intentions au moins au-delà ou Bien. hein? Oui, bien sûr. Très bien. Nani, on n'a pas entendu Nani. Donc, on va dire que la prochaine séance, on va essayer de la préparer pour mercredi. Donc, je vais vous envoyer, si vous pouvez. Bon, on va voir à peu près comment on va faire. Est-ce que 20h, 21h, on va essayer à peu près de voir. Donc, aussi, je vais vous demander, c'est normal, si vous de partager un petit peu, parce que ma page Facebook, hein? Ouais, on va partager pas. Bon, parce que sincèrement, vous êtes maintenant 3. Alors, normalement, il y a 8 personnes inscrites. Si on a toujours, si on aura 6 à 8 personnes par séance, c'est mieux, parce que je sais que tout le monde ne sera pas disponible. Aussi, je vais faire quelque chose, je vais essayer d'enregistrer. Bien sûr, par rapport à vous, il n'y aura pas ni d'image, ni rien, je vais enregistrer juste ma voix. Donc la présentation. Donc est-ce que vous avez des est-ce que ça vous gêne? Ça vous gênerait? Ma voix et vos voix aussi, hein? Possible. Justement pour les mettre à votre disposition. Bon, aux autres et si Donc, vous pouvez créer un peu. hein? Privé. Voilà. Mozo, qu'est-ce que vous voulez dire?
Pour créer une page sur YouTube, de donner des cours Oui, ça chaque jour et existe. avoir un cours Elle à existe présenter. justement. Non, je vais. J'ai déjà, mais bon, ces cours, bon, on va essayer Est-ce que tu comment. peux m'envoyer? Il faut chercher juste écrire format 10 sur YouTube. Donc c'est le même. Le maman, Ok, je vais ouais. l'afficher. Donc, Je vais. je vais enregistrer. J'ai enregistré ma présentation et la discussion. D'accord? Oui. Donc, D'accord. si vous, même si c'est vous ratez, mais bon, c'est pas normalement, non, je vais pas le faire. Il faut pas rater. Sinon, il y a pas d'intérêt, j'ai pas d'intérêt, moi, à ce qu'il y a une personne. C'est pas motivant pour moi, de toute façon. Hein? Et aussi, Bien sûr. j'attends de vous Bien sûr. pour vous impliquer. C'est très, bon, sincèrement, je crois que c'est une très bonne formation. Après la qualité de l'explication, c'est à nous de. C'est un ensemble. Il faut nous m'aider, etc., pour que la présentation et tout sera meilleur. Mais je vous assure que vous allez quand même quelque chose d'intéressant pour débuter. Très Déjà bien. ces mots techniques que tu as écrits. Hein? Déjà ces mots techniques que tu as écrits, on ne le connaît même pas. C'est ça, c'est ça. C'est déjà, Déjà ces c'est mots techniques qui a écrit, tu exactement, as déjà écrit, on ne le connaît même pas. exactement, exactement. Ouais, très bien. Ah, t'es comme ça. Donc, il y a une différence Oui. entre quelqu'un qui maîtrise le terrain et quelqu'un qui maîtrise d'autres choses. J'ai pas compris la question. Quelle est la différence? Merci. Quoi? Qu'est-ce que vous Alors, avez dit? je t'ai dit que c'est différent de quelqu'un qui a une expérience Oui, bien dans sûr. le travail que Oui, quelqu'un oui, oui. De toute façon, qui vient de sortir de la vous allez. fac Oui, pour c'est normal, c'est normal. Ça viendra avec le temps. Il y a un peu de curiosité aussi. Aussi une chose, même s'il y a des personnes qui apprendre. ont, on va dire, 3 ans, 4 ans d'expérience, mais qui ont été mal encadrés et n'ont pas vraiment des connaissances nécessaires. Donc, il y a des personnes, 3 années d'expérience, ils ne peuvent pas faire une situation. Un avenant, on parle même pas. Une révision des prêts. Donc, tout ça, c'est très important d'être curieux, de chercher à comprendre. C'est différent qu'elle entreprise au début Mais c'est ça, c'est donc c'est ça. ça la différence. Exactement, exactement. Donc, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Je vous contacterai Un tout remercie le pour nécessaire. votre Madame Zia. Zé, partagez encore quelques pour pour votre avoir aide. Madame Zia. Donc, pour juste avoir un peu plus de personnes. Sinon, de toute façon, nous, on va la faire notre formation, même à deux. Très bien, un thé comme ça. Inch'Allah. Voilà, merci. Au revoir.